Salut tout le monde, c'est Kaz pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. On est sur Instinct en mêlée générale et je vais jouer au sniper avec le Morse toute la partie pour vous montrer un peu le niveau de jeu que j'ai, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. De 1, on va parler de Noël. En détail ou pas en détail, je verrai ça après. Deuxième chose, on va parler de Mêlée Call of générale. Duty en général. Sa façon de jouer, etc. Enfin, Visez les cibles et abattez-les. on va dire son type de jeu, etc. Enfin, son type de, oui, de jeu, les types de jeux qu'il y a, les armes, etc. On va parler en général et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en dernier, on va parler de, je sais même plus, de quel type de jeu vous aimeriez que je joue. Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer sur Noël. Ça va pas être long, ça va être très rapide, très rapide. J'aimerais que vous marquiez dans les commentaires ce que vous pensez avoir ou ce que vous aimeriez avoir à Noël. C'est tout. C'était juste savoir ça, parce que ça, je vais pas vous mentir, c'est pas que ça m'intéresse super, mais c'est bien de partager avec ça sur Noël. Marquez-moi-le sur les commentaires ou sur Twitter si vous me suivez. Alors, vous marquez ce que vous pensez ou ce que vous aimeriez avoir à Noël pour voir ce que vous allez avoir, etc. Deuxième chose, on va parler de Call of Duty en général. Avant de commencer sur ce que moi je pense de Call of Duty, je vais vous dire un truc. Il y a deux parties qui, je crois que le tout dure à peu près une quinzaine de minutes. Donc voilà, ça dure une petite quinzaine de minutes. Je pense que je vais tout dire et je pense que la deuxième partie, si j'ai fini de tout dire, je vais vous laisser regarder tranquillement. Donc, je disais que on va parler de Call of Duty en général. Déjà des armes. Les armes, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal en général. À part les deux armes typées, qu'on va dire la ASM1 et la. Tellement pire, la balle rapide. Ces deux armes là sont, moi je trouve, cheaté, parce que si vous tombez à 2 vs 1 ou 1 vs 1, je trouve que vous avez, si l'adversaire a une balle 27 ou autre, je trouve que vous avez très peu de chances de le tuer. Après, sur le reste des armes, c'est plutôt équilibré. Toutes les armes sont à peu près la même, ont la même à peu près, comment dire, ont la même puissance, stabilité, etc. C'est à peu près équilibré tout le reste pour le reste. Après, on va parler des snipers. Les snipers sont plutôt pas mal par rapport à Ghost. Je trouve que les snipers sont plutôt pas mal car sur les autres, ils étaient plutôt bien sur le MW3 et sur MW3. Je trouve qu'ils étaient plutôt pas mal. Donc moi je suis assez content des snipers, surtout le Morse, c'est le deuxième. Par contre je suis désolé, je me rappelle vraiment plus du nom qu'il a. Le deuxième sniper qui est bien, c'est le gros qui ressemble à, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus parce que là je suis en train de, je sais plus du tout. Oh là là, je sais plus si c'est pas le Alpha, non c'est pas ça. Bon, ouais, c'est ces deux snipers là sont plutôt pas mal, parce que ça ressemble à un gros, on va dire ça, un gros lance-roquette et le Morse. Je trouve que ces deux snipers là sont les meilleurs. Après, sur le reste, des armes sont plutôt pas mal. Je trouve que le lance-roquette, tout ça, les lance-roquettes qu'il y a, presque personne ne les utilise. J'ai jamais vu encore de gros noobs. Ouais, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est chiant les gens qui jouent au bazooka, mais par rapport à MW3 ça, ou même Black Ops 2, ou que y avait beaucoup de gens qui faisaient les noobs en truc au bord. C'est marrant quand c'est nous qui faisons, c'est marrant, mais quand c'est eux qui, enfin, quand c'est nous qui prenons ça, c'est pas tellement marrant. Mais j'ai pas vu beaucoup de personnes jouer au bazooka. Donc déjà après, trouve que sur les déplacements et la façon de jouer, c'est, je trouve que c'était quand même assez dur et bien, parce que je trouve que c'est bien.
C'est bien que il y a eu ça, parce que ces nouveaux déplacements, c'est la fluidité du jeu. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt mal parce que tout le monde est retombé à des zéros. Même le meilleur qui était sur Ghost ou même sur Black Ops 2, personne n'a été quand a commencé. Oui, il y en a qui ont pris un peu plus le mort en jeu plus que d'autres, mais personne n'a était supérieur à d'autres. On était tous égaux et je trouve que c'était plutôt pas mal. Après j'aime bien les déplacements, les dash, j'aime bien. Je vais pas vous mentir, j'étais sur PS3 et quand ils ont annoncé Titanfall et qu'il n'y avait pas encore l'annonce de... Oui, il y avait l'annonce d'un Call of Duty mais pas celui-là, enfin que je savais pas qu'il y avait des dash, tout ça, j'ai voulu changer de... pour passer de PS3 à... de passer de PS4, de passer de PS3 à Xbox One. Donc j'ai beaucoup hésité. Donc j'ai hésité mais bon, ça a été. Je me suis dit après quand j'ai vu l'annonce de ce Call of Duty, je me suis dit ça sert à rien de passer sur Xbox One, que je suis toujours été PS Sony, on va dire Sony. Donc voilà. Donc voilà. C'est ça. Je voulais dire, les déplacements sont super. Le. Enfin, maintenant c'est. C'est plus oh je regarde à gauche, je regarde à droite, maintenant c'est je suis obligé de regarder en gauche, je suis obligé de regarder à droite, je suis obligé de regarder en haut, je suis obligé de regarder partout parce que il y a vraiment des gens partout qui se déplacent. J'ai pas encore vu de super campeurs. Non, j'ai pas vu de campeurs pour l'instant. Même si j'ai réfléchi bien par rapport au nombre, je crois que j'ai une journée de jeu, je crois, un truc comme ça. Une journée ou même je crois que je suis pas loin de 2 jours de jeu, j'ai pas. Non, j'ai pas vu de campeur. Donc ça me plaît plutôt que la communauté ait évolué par rapport à ça. Parce qu'il y avait beaucoup de campeurs sur Ghost et sur Black Ops 2, ça commençait à venir. Donc là déjà ça me plaît un peu plus. Et voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que par rapport aux choses que je vais avoir à Noël. Donc je peux vous en dire, je sais pas du tout ce que je vais avoir à Noël. J'ai demandé, je crois que j'ai demandé 4 ou 5 jeux pour Noël. Car j'ai acheté ma PS4 avant avec mes sous à moi. Donc j'ai demandé 4 ou 5 jeux. Mêlée générale. Donc Écoutez, voilà. Atlas, on J'ai fait ça demandé, proprement. On n'a je pas peux vous toute la mentir, journée. j'ai demandé Alien, Isolation, GTA 5, Destiny, Far Cry 4. Je sais pas du tout si je vais les avoir tous, si je vais en avoir que deux, si je vais en avoir qu'un, si je vais en avoir. Bref, c'est par rapport à mes parents. Je sais pas du tout ce que je vais avoir. Donc, après, moi, j'en ai un ou deux, c'est pas mon problème. Enfin, ça me fout un peu. Parce que, voilà, moi j'ai ma PS4. Je m'amuse très bien avec les jeux que j'ai FIFA, j'ai Call of. Donc, voilà. Donc, ça serait juste pour vous dire que. Dites-moi sur quel jeu. Par rapport auquel jeu je vous ai cité, donc je vais vous redire, je vais sûrement marquer dans la description. À part sur les jeux que je vais avoir, si je les ai, parce que dites-moi, ouais, là tu laisses plutôt sur Destiny que si je l'ai pas, ça sert à rien. Donc à Noël, je laisserai sûrement un petit tweet avec marqué, avec une photo, avec marqué ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu. Comme ça, vous pourrez me dire, bah ouais, bah mon prénom, enfin, oui, je vais vous dire mon prénom, voilà, comme ça, bon, ça sera fait. Mon prénom, c'est Mathias. Donc voilà, donc vous me direz, vous marquez un petit tweet en marquant si vous me suivez sur Twitter, Mathias, ouais, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur sur le Ghost, enfin, oh là là, je me perds tellement dans mon tweet, soit sur Destiny, soit sur Alien, soit sur GTA 5, sur Far Cry, enfin bref, par rapport au jeu que j'ai eu, dites-moi les vidéos que je voudrais bien que je fasse. De toute façon, même si vous parlez pas forcément dans les commentaires ou sur Twitter, ouais, fais cette vidéo, je pense que je vais les faire. D'une façon ou d'une autre, je les ferai. Parce que enfin, moi, je trouve que une vidéo sur GTA, il y a de quoi rigoler, faire une bonne vidéo fun. Et j'adore faire des vidéos comme ça. Donc déjà. Et sur Far Cry pareil, je pense qu'il y a de quoi rigoler, s'amuser, etc. Après sur les autres pareil, Alien, c'est le seul jeu d'horreur que j'aime bien.
parce que je l'ai découvert sur PC. J'ai joué avec pendant 2-3 heures de suite et franchement je me suis éclaté sur ce jeu-là. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, un pouce vert si vous avez aimé, un rouge si vous n'avez pas aimé. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans mes vidéos. Si je refais pas de nouvelles vidéos avant Noël, bonne fête de fin d'année, bon réveillon, bon jour de l'an. Stratégique ennemi en approche. En train de perdre. Les ennemis contrôlent le système antipersonnel. Allié au-dessus.